Eh bien, salut à tous. On va tester Serra. Bon, c'est également la première fois que j'y joue, hein. On va voir ce que ça donne. Il est en français, ce qui est bien cool. Voilà, en nouvelle partie. Le petit logo en roue là, il est sympa. On dirait une boussole ou un volant un volant tête de mort de bateau de guerre de l'époque. Ça commence bien. Ça me rappelle les jeux de mon enfance sur Amiga, ça. Ou Atari, là, Amiga. Oh, la musique, elle est gringo déjà, ça c'est bon. Ça. Apparaissent tout le temps. Merde, je suis paniqué là. Mais pourquoi ils réapparaissent tout le temps? Non, mais...
pas les commandes là, c'est que j'ai paniqué, je savais pas ce qu'il fallait faire. Ah ouais, d'accord. Hop, 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 hop. De ouf. Allez, on s'en fout du guide là. L'action.
Si, si, gros. Donc, bah, franchement, je le conseille, hein, il est bien cool le jeu. C'est fluide, c'est fun, c'est amusant, ça prend pas trop de ressources. Moyen de même sur un petit PC portable de se mettre ça là-bas dans les transports ou... bien cool quoi. J'aurais dû mettre en difficile en fait parce que c'est un peu trop easy en normal. Hein. Enfin, peut-être tout simplement peut-être c'est le début, mais en médium c'est what easy quoi. Oh mon gars là là. Trop prétentieux, voilà. Je fais des boîtes. Bon, bah, en tout cas, c'est un bon petit jeu, je vous le conseille. Hein. C'était pour vous montrer ce que ça donne, ce que ça peut intéresser. Ah, des super Zen. Bah, sur ce, bah, bonne soirée et puis. Gameplay, ceux qui regardent ou pas. Bye bye.